Total respect. Zéro limite. Ah oui, vous voulez avoir des Radio Libre. L'activité cérébrale, elle se ralentit, quoi. Oui. Alors qu'a priori, pour un... Ah, d'accord, bah, c'est beaucoup plus clair. Oui, tous les soirs, dès 21h. Difoulé sur Skyrock. Le voici avec 5 bugs. Est-ce qu'il y a une entrée? Oui, une entrée cette semaine dans le Top Bug. Une sortie également. On va d'abord... c'est bien, ça bouge un peu. Ça a bougé. Bah oui, ça bouge un peu. On va d'abord rendre hommage à la sortie. Je sais qu'il y en a un qui va être très triste dans l'émission. Aïe, aïe, aïe. Ah, il sort le Kiroquet. Eh oui, Romain, il sort le Kiroquet. Ciao. Écoutez bien, numéro 5 la semaine dernière, il a perdu une place. Et ben oui, il dégage du top 5, le perroquet. Ça vous dit pas de récupérer un petit perroquet? Non. Un petit perroquet. Il parle aussi bien que le monsieur qui est en train de vous parler. Je t'exprime aussi bien qu'un perroquet, Romanos. Et voilà, le perroquet nous quitte. Bon, il pourra rentrer si vous votez. Oui. Dites-nous si vous aimez le perroquet et que vous voulez qu'il re-rentre dans le Top Bug. C'est fini pour cette semaine. Le perroquet. Un petit rest in peace pour ton perroquet, Romano. Rest in peace, perroquet. Voilà. Un très beau message, merci Romano. Bon, on passe au classement officiel. Attention, c'est parti. Allez, se dans le rythme. C'est ça. Numéro 5, attention, c'est parti. Cinquième du Top Bug. C'est pas l'entrée, l'entrée, elle est rentrée quatrième. Cinquième, une place de perdu par rapport à la semaine dernière. Cinquième du Top Bug. Allez. Alors, on retrouvera donc le problème du mois. Ils ont besoin d'aide et on les aidera. En tout cas, on en aidera. Mais tu es tout perturbé, c'est parce que t'as devant ta surprise. Et oui, Romain, on t'avait promis une petite surprise. T'étais tout excité comme ça. Ah, mais j'en pouvais plus, là. Et oui. Et donc, tu t'es mis à nous dire... Alors, que veut dire... Ah bah c'est simple, on va en aider un ou une tout à l'heure avant minuit. C'était pour annoncer le problème du mois. Eh oui. Problème du mois demain. Exactement. Donc le problème du mois, c'était un jeudi soir, donc ce bug. Ouais, ouais. Et ça perd une place par rapport à la semaine dernière. Cinquième, on va passer au numéro 4, quatrième du Top Bug cette semaine. Et c'est l'entrée de la semaine, écoutez bien. Cédric, d'ailleurs, t'es concerné par ce bug. Ah, vas-y. Eh oui, Romano, pensez à toi à ce moment-là, écoute bien. Que j'aime très fort. Oh, depuis deux ans. T'as cassé nos cordes, je crois. Qu'est-ce que t'as eu? Ah, Cédric, s'il te plaît, putain. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, t'as tourné la tête, fais un truc. T'es vraiment affreux. C'est super celui-là, Cédric. Ouais, il est génial. Bah, il est bien rentré en tout cas, puisqu'il est rentré quatrième dans le Top Bug. Ouais, c'est ça. C'est une jolie place. Ouais, pas mal. Ouais. Et oui, numéro 4 donc. Tu fais des bruits, mais. Ah bah ouais, tu sais, quand t'es malade en même temps, tu te lâches quoi. Et là, tu t'étais lâché. Ah bah ouais, quand tu contrôles. Numéro 4. Notez bien les bugs et vous pourrez voter pour un des bugs que vous. Enfin, pour celui que vous préférez tout à l'heure. Troisième, ça bouge pas par rapport à la semaine dernière, c'est le bug où t'étais un peu paumé dans ta tête. Ah, j'étais largue. T'étais à la ramasse. T'étais mal, man. Eh ouais. Eh oui. Numéro 3. Voilà. Elle a dit non, mais bon, elle est excitée, elle sait pas ce qu'elle doit faire. Elle est complètement paumée, cette bonne dame. C'est toi qui es paumée là. Elle est paumée, Élise. Oh la pauvre. Eh oui, Élise. Eh ouais. Elle n'était pas la seule d'ailleurs ce soir à être paumée. Ah bah je l'accompagnais dans le paumage. Eh oui. Elle était paumée. Et toi aussi, donc c'est troisième, ça bouge pas. Vous avez bien voté pour le numéro 3. On passe au numéro 2. Et oui, et attention, changement dans le classement. Elle perd une place par rapport à la semaine dernière. Ça faisait un mois qu'elle était première. Pamela quitte la tête du Top Bug. Oh. Ah bah oui. Oh, je suis triste. Eh oui, bah oui, Pamela. Numéro 2 cette semaine, Pamela. Ouais. Allô? Oui. Écoute, ou demain. Bah quoi? Voilà. Et l'autre con qui comprend rien au bout du fil. De quoi? Numéro 2, donc Pamela. Et si vous voulez encourager la belle et qu'elle retrouve sa première place, votez pour elle, vous entendez? Elle pleure. Oui. Oh, elle est triste, la pauvre Pam. Mais là, pourquoi t'as bloqué comme ça? Bah, monsieur, le mec, je savais plus quoi lui dire. Je voulais filer un rendez-vous le lendemain, et puis après, je savais plus trop. Quelle date lui donner. Ouais, ouais, donc j'étais paumé encore. Bloqué. Encore paumé. Pamela, elle était paumée. Paumée. La bourrique. Et on passe au numéro 1. Qui est numéro 1 cette semaine? Alors, d'après vous, Romano? Bah, celui qui était dit si vous connaissez dernière. Le numéro 1 ah bah semaine. Oui, ça y est, la chute. Ah oui, la chute. La chute. Bah oui, c'est la chute. Ouais, j'aimerais c'est bien. La chute. Ouais, c'est le retour de la chute. C'est la chute. Numéro 1 du Top Bug. Attention, un grand retour à la première place.
peux m'amuser, mais de temps en temps, tu vois. Oui. Elle, c'est systématique, hein, c'est à chaque oui, fois voilà. Les dames. C'est ça le truc. Ah bah, elle a tout le temps. Pardon. Ah, t'es tombé. C'est quoi ce mec? Il est tombé. Je suis fada, toi. Je suis tombé. Fada, tio. Complètement fada, écoutez. Tant pis. Oh, mec, c'est quoi ce oh, type? Il a fait un vol plané, ce oh, regarde, ouais, bah, Et ben voilà, il est premier, enfin elle est première la chute, donc première et grand retour parce qu'elle a déjà été première il y a quoi, il y a un mois ou deux ouais, mois. Ouais. Et ben là voilà. C'est le retour, ouais. Le grand retour et donc le nouveau classement du Top Bug. Et voici le classement. La chute. Et oui, la chute avec Pamela. Deuxième, elle est Pamela. Avec le troisième, le paumé. Voilà, ça c'est toi le paumé. Oui. Le quatrième, le nouveau. Ah oui, nouveau bug. Qu'est-ce que c'est? C'est je vomis en regardant Cédric. Oh, pauvre Romano, c'est rendu tout malade. Ah ouais, j'étais mal. Et oui. Et le numéro 5. Et ben voilà. Et voilà le beau classement de cette semaine.